Je fais attention, ça glisse. J'ai pas le choix, faut que j'aille chercher mon renouvellement médicament. Bon, ça va, je suis équipée. Je pense toujours à Eric. C'était il y a 4 ans. C'était comme ça. Et du coup, il pouvait pas prendre la voiture pour aller au lycée. Et donc, il a décidé d'y aller à pied. En général, il met 15 minutes. Bon, en fait, il a glissé sur une plaque de verglas. Et il s'est fracturé, il y avait les pompiers et tout. Il s'est fracturé la tête de l'épaule. Et depuis, depuis, c'est un peu fou. En plus, comme il est très grand, 1m92 forcément, il tombe de haut. Et depuis, je fais super gaffe. On ne se voit plus. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, enfin depuis 2 heures, je suis un petit peu en angoisse parce que c'est la première fois en 2 ans et demi que ma box existe, qu'une telle chose m'arrive. Je pense qu'il y a eu un quiproquo entre une des marques de la box de janvier. Je dois tout recevoir d'ici 3-4 jours. Et donc je relance la marque. Et j'arrivais pas à la voir. Et à un moment donné, donc il y a 2 heures, j'arrive enfin à la voir. Et là, elle tombe des nues. Elle me dit mais Caroline, je me suis trompée. J'étais persuadée que c'était pour la box de février. Je dois partir pendant une semaine. Ça va pas être possible et tout. En gros, l'un des articles de la box, c'est possible que je ne puisse pas la voir. Donc ça veut dire trouver un plan B de même qualité, de même niveau. Elle m'a dit qu'elle me rappelait ce soir pour voir si elle pouvait quand même se débrouiller pour. J'ai 3 jours pour trouver un plan B. Je vais y arriver. Je vais y arriver, mais c'est pour ça qu'il faut que j'aille chercher mes médicaments pour l'estomac, parce que je pense que ça risque de brûler sec. Regardez comme c'est joli. Ça caille, hein. Par contre, on est sur du petit -4, c'est pour ça que ça glisse. Mais c'est magnifique. Attends, je fais pas la con quand même, parce que franchement en dessous c'est que du verglas. Je n'oublie pas, en rentrant, on va ouvrir mon cadeau. Enfin, un de mes cadeaux en plus de Noël. Je suis revenue chez Fugetti, pain au chocolat pour demain matin et croissant vu que c'est l'anniversaire d'Eric demain. Non ! Est-ce que vous aussi, votre chat est fou du bolduc sur les cadeaux et tout ça ? Ça a fini aux urgences, ça, la dernière fois, pendant une nuit, parce qu'il l'avait mangé. Et voilà, donc faire très attention. J'ai donc pris des petits gâteaux également pour ce midi. La tradie et du pain complet que je fais trancher. Voilà, donc j'en ai pris 2 aux fruits. Il y a mandarine, celui-ci, je sais plus, il y a du kiwi. Et puis un tout chocolat. Arrête. Non, non, mais c'est pas un jeu. Tu vois, je pourrais te le laisser si c'était pas dangereux. Mais non, c'est ça, tu vas vraiment le bouffer. Arrête, arrête. Regardez, le fauve. Ça, maman, elle met la poubelle. Et oui, c'est fini les bêtises. Oui, donc le plombier est passé ce matin pour justement vérifier pourquoi ça avait fait un énorme boom et pourquoi ça faisait même un ballon, enfin comme si ça avait pété. Donc il a tout checké pendant un bon moment et il avait l'air de dire que non, il n'y avait rien de particulier. Bon, déjà, je suis rassurée de savoir qu'il a tout bien vérifié. C'est parti pour l'unboxing de mon cadeau de Noël complément. En fait, je sais ce que c'est. C'est une affiche. Déjà, c'est super bien présenté. C'est quoi ? There is art. Ah, il y a de l'art inside. Ok. Oh, il est beau. Enfin, il est large, le cadre. Nous avons un cadre de 30-40 cm. Ça va être parfait. Alors après, reste à voir le visuel. Regardez ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là, magnifique, magnifique. Ce sera comme ça. Et voilà, ça tombe. Est-ce que vous êtes prête à voir le rendu? C'est magnifique. À croire qu'il était fait pour mettre là, clairement. Alors déjà, avec le fond gris, c'est fabuleux. Hein, le truc, c'est que c'est à contre-jour. À l'œil nu, c'est canon. Avec le petit élément là doré. Regardez ça. Tout est... En fait, tout match parfaitement. Hop, le rappel. Je vous le montre comme ça. Là, il n'y a pas de reflet. J'adore. Ah, je suis vraiment, mais tellement contente du rendu. C'est top. Je vous avouerai que je suis encore soucieuse là. Je suis en train de... Depuis tout à l'heure, en fait, ça tourne dans ma tête. Il faut absolument que je me débrouille, même si, voilà, j'ai encore espoir que ce soir, elle me dise que c'est bon, elle a réussi à trouver une solution. Mais il faut quand même que je trouve un plan B, c'est des... Voilà.
Nous sommes le lendemain matin, il est 7h. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vous ai quitté, il devait être 12h30. J'étais vraiment très 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 soucieuse, il fallait que j'agisse. Et moi, quand je suis soucieuse et qu'il faut que j'agisse, j'arrête tout et je me concentre à fond sur la chose. Donc j'ai passé toute mon après-midi, j'ai fait du démarchage, j'ai eu beaucoup beaucoup de marques hyper intéressantes avec qui on va pouvoir bosser. Donc ça, c'est une très bonne chose. Sur les coups de 18h30, 19h même presque, la marque m'a contactée. Et pour m'annoncer qu'elle avait trouvé une solution et que c'était ok, qu'elle allait pouvoir me livrer à temps les fameux produits. Ça a été la délivrance. Et ce qui est cool, c'est que finalement, les autres produits que j'ai trouvés, on va pouvoir les intégrer dans des prochaines box. Donc c'est absolument pas perdu et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il fait? Tu joues pas trop, toi? Il a un certain regard qui veut dire le matin, ça te dit on joue? Vous voyez la petite papate? Bon, ça y est, mon shampoing est fait, c'est quand même autre chose, hein. J'utilise les nouveaux soins, la Kérastase. Alors, ça a un coût, mais je trouve franchement que les résultats sont là. Ce matin, Eric est parti tôt, il revient pas avant 18h, il est en formation toute la journée. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et il est parti, il était dégoûté parce qu'il avait une grosse migraine. Étant migraineuse, j'imagine ce qu'il ressentait, d'autant plus quand t'es pas chez toi. Et je vais aller, je pense, cet après-midi quand même lui prendre un petit cadeau, même s'il m'avait dit non parce que son cadeau doit arriver plus tard, enfin bref. Et ce soir, je ferai peut-être un petit truc un peu amélioré, mais ça sera lui qui me dira en fonction de comment il se sent évidemment. Ce midi, vu que je suis toute seule, je vais peut-être aller dans la nouvelle boulangerie là qui propose des sandwichs sympas. C'est possible que je fasse ça. Ah, j'ai mal. J'ai mal là, comme ça. Ici, là. C'est entre sous le bras et là. Je sais, vous n'êtes pas médecin, mais je vous le dis. Ça fait trois jours que j'ai mal. Ça fait comme des décharges, des petites aiguilles, là, comme ça, profond, mais très profond. Et à un moment donné, je commençais à flipper, surtout la nuit, quand ça le fait. Et après, je me suis dit, mais attends. Ben ouais. J'ai arrêté, hein, il y a 2 jours. J'ai pas fait hier. Je fais des petites haltères. Je pense que c'est ça, ça correspond. Et j'ai décidé en fait ce midi je reste là, puisque je me souviens plus, mais j'avais acheté du pain tranché complet, je vais me faire des petits sandwichs avec du chavreau, j'ai ce qu'il faut, et puis ce soir on se rattrapera ou pas, mais voilà. Ah. Donc, il est 14h moins 10, et ben je me suis régalée avec mes petits sandwichs maison, comme quoi. Cache-oreille obligatoire parce que moins 2 degrés, donc je ne prends pas de risque. Je pars faire les petites emplettes, même si je ne sais pas, je crois que je parle fort, parce que j'entends rien. Je ne sais pas précisément ce que je vais lui prendre. Tout ce que je sais, c'est que je vais lui prendre quelque chose et je vais essayer de trouver donc un truc sympa à manger, petit gâteau, petit truc. Même s'il ne les mange pas ce soir, ça sera perdu, ça sera pour demain. Et voilà, c'est pas mal. Comme ça, j'arrive pas trop tard et je finis le montage. J'ai vraiment l'impression que dans cette séquence, je hurle. Bisous mon Jackie. À tout à l'heure, tu surveilles la maison. Et le nouveau cadre, évidemment, j'en ai rêvé tellement je le trouve magnifique. Et ben, je suis pas certaine que ce soit du champagne. J'ai envie de dire, c'est un gin tonic. Ah mince, j'ai pas de raclette. Bon. Alors là, je suis contente. Charmant Thierry Homme, décidément. Et franchement, je pense que ça va énormément lui plaire. Regardez, c'est comme un beau blouson comme ça. Il y a 30%. Je suis super contente de mon achat. Là, j'ai fait une pause juste à la boulangerie d'à côté. J'ai pris un petit pétri 3 chocolats, un chocolat chaud. Et apparemment, ils offrent ça avec. Bon, 3h19. Ça va, c'est pas mal. J'ai eu Eric qui m'a envoyé. Il me dit, ça y est, c'est bon. J'ai terminé. Il était 15h. Donc, ils ont dû finir 2h avant. Donc, il va falloir que je cache ça. Je vous le montre. Évidemment, je peux échanger. Oh, allez, c'est le cintre. Il est lourd. Je ne sais pas si c'est gage de qualité, mais il est lourd. Je l'ai laissé rapide sur moi, juste pour que vous puissiez voir la tenue. Moi, je la trouve très, très beau. Hein. J'espère que ça va lui plaire. Allez, du coup, il faut que j'enlève ça, parce qu'il y a le prix. Eh ouais. Tiens, c'est marqué que ce produit existe du S au 5. XL. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah aussi, si, il faut que je vire ça, moi. Hé, t'as bien gardé la maison. Tu peux me dire si t'as fait la bêtise quand maman est partie. On est d'accord, c'est un peu marqué sur lui qu'il a une tête de connerie. Bah, bien sûr, t'es quand même très très beau. Juste au cas où, sachant que là, nous sommes le 10 janvier et qu'au moment où je poste cette vidéo, c'est tout à l'heure et nous serons encore le 10 janvier, 18h. Au cas où, pour les personnes qui verront le vlog entre 18h et 23h59, dernière ligne droite pour commander la box de janvier.
dernière ligne droite. Voilà. Hop, il doit être pas loin de 16h30 là. Non, 16h19. Je suis en train de m'avancer sur le montage. Eric, je pense qu'il devrait pas tarder. Mais je voulais vous parler d'un truc. C'est fou quand même. J'ai reçu un mail, quoique je ne l'ai pas reçu. Je l'ai reçu il y a un petit moment, mais j'ai pris connaissance que maintenant, chaque début d'année, je sais, Colissimo augmente très légèrement ses prix, ses tarifs. Parce qu'il y a le pétrole, il y a tout ça. Mais là, vu la conjoncture, ils nous ont fait une hausse, mais laisse tomber, là, c'est un autre step. Parce qu'en fait, tu as des paliers, moi, mes box, elles font plus de 250 grammes. Donc, je crois que c'est moins impacté, 250 grammes et moins. Au-delà, c'est un peu plus, voire plus impacté. Est-ce que vous savez combien de frais de port je paye, moi, en tant que box Loup-Douard, par box? C'est-à-dire, sur le prix global, eh ben, je suis à plus de 10 euros d'envoi par box. C'est pour ça, parce que j'ai eu la réflexion, quelqu'un me dit « Ah, mais je comprends pas, il y a 4 euros, c'est beaucoup de frais de port dans ma box. » Bah, pas tant, pas tant, hein, parce que c'est 10 euros. Moi, c'est moi qui les avale, qui les absorbe avec le prix global quoi, de la box. Mais c'est un grand délire. Alors, je veux bien que, conjoncturellement, il se passe beaucoup de choses et tout, mais si tout le monde commence à augmenter de partout, 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 ça va pas être possible. Il faut que je réfléchisse à autre chose, parce que la dernière fois, j'ai quand même un prestataire pro de Colissimo qui m'a contacté, qui m'a dit c'est pas normal avec le volume que vous faites, on devrait vous faire un prix pro. Ah bah tu m'étonnes, bien sûr qu'on devrait, mais j'étais un peu réticente parce qu'il fallait que je change de formule. Et moi j'aime cette prestation que les gens reçoivent directement chez eux, je trouve ça cool. Après on me demande mais est-ce que tu peux mettre contre signature pour éviter s'il y a des vols. Moi je veux bien, mais il faut augmenter encore d'un euro, c'est-à-dire qu'il faudra que vous payiez encore d'un euro en plus. Mais j'ai la possibilité aussi, Colissimo propose ce service et apparemment c'est relais, en fait c'est des relais. Et par Colissimo, il y a encore plus de relais partout, partout dans la France, partout où que vous soyez, dans des magasins, partout. Et ça ferait peut-être que je pourrais baisser le prix de la box pour les personnes qui choisiraient cette option. Ça peut être pas mal, faut que je vois ça. Vous avez chacun un indice ? Il est rentré. Bah ouais, c'est bien ça ! Attends, on voit mal. Je t'ai pris un petit cadeau. J'ai un cadeau ? Tu veux voir ? Bah oui. T'as acheté un blouson en cuir ? Bah oui. Ça te plaît ? Ça te bah, va bien vachement, ouais, très beau. Ouais, il est magnifique. Je suis contente. Ah, puis en plus, il fait carrément look... Bah, c'est ça. C'est ce ouais. que tu aimais. Ah, j'adore ça. Bah. Toujours été mon rêve. Eh bah écoute... Il est magnifique, ce blouson. Bon, bah je crois que c'est une réussite. Hein. Il est très content. Ça lui va super bien. Je lui ai proposé pour ce soir, je dis, écoute, si tu veux, on peut aller manger au restaurant. Qu'est-ce que t'as envie ? Et bah finalement... On va rester là, parce que bah, je pense déjà il est crevé, puis avec le temps, il fait froid. Quitte à ce qu'on... Quoi qu'on est déjà allé manger ensemble, mais quitte à ce qu'on se le refasse ce week-end. Donc là, ça va être tranquille. Écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On va se retrouver vendredi pour la suite des aventures. Voilà, je vous embrasse. Ciao.